Eh bien oui, bienvenue sur Télé Éternel en ce dimanche 18 février, du temps ordinaire, on va se marquer là, vu que la semaine dernière, on était le sixième dimanche, année B, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, habité par la même espérance, était pas mal, c'est la paroisse de la Sainte Famille, surtout là, je crois que c'est bien. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Il y en a. Allez le dire aux nations, le Seigneur c'est le roi. Ah, c'est papa, c'est mon patron de mon esprit. Tu vois. Je vous préviens, dit au pasteur, l'héritage à Johnny, j'en ai absolument rien à foutre. Les gens à pognon, j'en ai absolument rien à foutre. Le Philippot, la Le Pen, le truc, c'est que de la merde. N'oublie jamais qu'ils torturaient bien en Algérie. Au nom de quoi? Au nom de qui? C'est pas des humains, ces gens-là. C'est quand le gouverne vrai. Mai 68, en 2018, tu vois. Mais planétaire. Dehors, toutes ces oligarchies, ces gens à pognon qui vendent des armes. C'est pas des humains, en fait. Tu vois. L'humanité, elle a une troisième couche au cerveau, mais vous ne le savez pas encore. C'est normal, on n'apprend pas l'âme à l'école. Mais là, au pouvoir, c'est des reptiliens, c'est des lézards. Il trouve une connerie, c'était pas mal. C'est pourquoi les Arabes, il faut pas qu'ils mangent de porc. Sinon, ils boufferaient Trump, parce que lui, c'est un putain de gros porc. On peut tous remarquer. Justement, ils ont parlé à BHL TV. Trump, la politique française, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis c'est la fille aînée de la France, hein, en premier. Bon d'accord, les colons, c'est comme Gérard Collomb, c'est des fossiles en fait. Pourquoi vouloir aller piller partout? Pourquoi vous êtes des barbares? Vous êtes des sous-développés de la tronche, hein, pas possible. Même pour les paplards, tout ça, mais ça gonfle, ça gonfle. Il n'y a pas d'âme dans le programme, vous êtes des protocoles, vous êtes formatés du bocal. Maintenant, on va faire une refragmentation générale. Et ça va venir. Parce que sinon, je vais péter un câble. En tant que je dirige les éclairs, pour l'instant, je ne sais pas le faire. Vous avez du bol. Peut-être que j'y arriverai bientôt. Moi, je suis un bon padawan. Je suis même un Obi-Wan, puisque j'apprends au Padawan. Et pour l'instant, Yoda, il a pas atterri encore. Yoda, il a même plus envie de se faire chier. Il a envoyé l'envoyé spatial, c'était moi. Il fait l'éternel Chris Denis. Les pénitents bleus, les machins, tout ça. Ça m'a gonflé, c'est des laïcs. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que les laïcs, c'est comme le numérique, ça t'électronique la tête. Tu vois, mais ça se voit pas. Vous créez tous bien ferme et vous faites que de la merde. D'ailleurs, j'arrive même pas à faire la mienne. Parce que nous sommes dans la cabine de pilotage. C'est le studio d'enregistrement du rapport de combustion. Mais là, le rapport, il n'y a pas de rapport. Je vois pas le rapport. Bon, tout ça pour dire quoi? C'est le septième dimanche. Février de l'an de grâce 2018, de Men in Black 18. Il faut réactiver vos processeurs, là, vos disques mous. Là. Il y a quand même 90% qui vous servent à rien. Les 10% qui vous servent à côté le pognon, vu qu'il y en a de moins en moins, vu que c'est l'État qui prend tout. Maçonnique sa mère. Là. Voilà, 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 voilà. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis pas énervé. Je suis même pas bourré. C'est un beau dimanche, c'est une belle histoire. J'avais trouvé ma Vierge Marie à quelques heures d'Airbus d'ici. C'est vrai, hein. Mariée à la lune d'Annonciation, 2009. Oh, c'était Azrous, hein.
Mais la fois d'après, à la cascade de la Vierge à Ifrane, où il y a le lion d'Ifrane, comme il y a le lion de Garibaldi, j'avais dit, tu porteras l'enfant. Si ça se trouve, là, j'ai un gosse. Si ça se trouve, par hasard, il aurait mon ADN. On va savoir. Pour moi, rien n'est impossible sur Terre.